l'avion. Je sais pas si on va prendre un trou. On est dans l'avion. Dans l'avion. Et on est fatigué. C'est très long. Bon les potes, là on est arrivé de l'aéroport. Ça y est, on est à Los Angeles. Yes. Et c'est une scène en fait, comment c'est super différent de la France. J'étais allée il y a 3 ans, j'avais oublié et c'est abusé la différence. Et surtout les voies ici, il y en a 5, voire 6, il y en a 6. Alors qu'on est en ville, alors que nous, même sur l'autoroute, on en a que 3 quoi. Donc voilà, la petite musique du beurre au fond, on beurre et on va aller à Airbnb. Ça fait un petit visu bizarre là. C'est pas fou la luminosité hein, dans cet appartement. Comment vous dire là? Je sais pas, peut-être qu'il faut tourner ça. C'est n'importe quoi. Oh, c'est bon, j'ai trouvé les potes. C'est bon. Du coup l'appartement, donc voilà, on a une petite table de 4 ici. On a le petit canapé cosy avec la petite plante. Le fond, j'adore ce fond là, ça fait typical loft américain, je kiffe. Ensuite, on a une petite télé avec la chambre derrière, je vous la montrerai ensuite. Un gros chauffage. Ici, on a la gazinière. Les gars, le frigo, comment vous dire? Il est géant, il est énorme. Et voilà, la cuisine, elle est grave bien aménagée, elle est cool. Voilà, la petite chambre avec moi là. Oui, oui. Là, il y a la première douche. Salut. Salut. Et le WC, ouais. Elle se démarre un peu immense. Elle devient urgente. Mais du coup, voilà les potes. Moi et ma voix cassée, on a fait le petit room tour. Franchement, l'appart, il est grave cool. Trop bien placé. Et voilà, on se retrouve pour les petites aventures dans Los Angeles. Yo, c'est le jour de les potes. On est arrivé hier à l'Airbnb. On a dormi à 21h, on s'est couché hyper tôt parce que on avait quand même 11h30 de vol. C'est fatigant, on n'a pas beaucoup dormi la veille du vol. On avait dormi 2 heures chacune à peu près, donc on était très très fatigués. Là, on va aller au Starbucks manger parce que j'ai très faim et qu'on n'a rien à manger. Après, on va aller à Santa Monica, les gars. On va se balader au bord de Venice Beach et Santa Monica. Faire des petits tours, je pense qu'on va peut-être prendre une trottinette électrique, on va voir, pour faire le long de la plage parce que c'est quand même long, je crois qu'il y a 5-6 km. C'est assez long et voilà donc j'ai juste trop hâte les gars. Par GTA, nous voilà enfin. Voilà, on est en plein stream et nous voilà enfin à Santa Monica Pier où il y a le fameux ponton là avec le parc d'attractions qu'on voit dans GTA et c'est juste insane en fait. La vue est trop belle, il y a énormément de gens, mais bon, c'est touristique, hein, c'est normal. Et voilà, on est trop contentes. Je vais faire plein de petits plans cool et il fait très très chaud par contre. Je suis trop contente. Vraiment, j'étais venue une fois ici et y revenir, ça fait toujours un effet aussi fou. Donc, c'est trop bien, les gars. Et petit fact aussi à Santa Monica, c'est, je pense que vous connaissez tous la route 66 qui traverse un long moment des États-Unis. Je sais pas combien de miles elle fait, mais je crois que c'est la plus longue des États-Unis. Et elle se termine ici.
Donc là, on est à Venice Beach, comme vous pouvez voir le V ici. Il y a Harry juste ici. Et du coup, on est venu en Lime, en trottinette électrique. Et on a galéré parce que j'avais jamais d'internet et tout pour les réserver. C'était la galère totale. Bref, du coup, il fait nuit. Il y a le coucher du soleil au moins, ça c'est beau, mais il n'y a pas beaucoup de skaters. Et le Muscle Beach qu'on voulait voir absolument, c'est-à-dire la salle de muscu sur la plage, elle est fermée. Donc on verra pas de mec faire de la muscu. Ah, notre grand désespoir, je rigole. Et du coup voilà, on est quand même contente. On voit, je vais lui montrer ça, moi je l'ai déjà vu, mais elle du coup elle verra pas les gens en train de le faire. Mais c'est cool. Bon les gars, je suis très fatiguée, j'ai envie de tousser toutes les deux secondes. On va se quitter sur cette jolie fin de vlog où je suis avachie sur le canapé. Et j'espère que la journée vous a plu à Santa Monica. Pour moi, elle m'a énormément plu et m'a énormément fatiguée parce qu'on a beaucoup marché, on a beaucoup rigolé, on a beaucoup galéré. Et je me suis levée à 5h du matin et là il est 22h, donc ça fait quand même un petit moment que je suis debout, hein. Ça fait 17h que je suis debout, donc voilà, c'était une journée très active, je suis trop contente d'être à LA, on se retrouve du coup à très bientôt pour le vlog numéro 2 où nous allons aller à Beverly Hills. Allez, bisous tout le monde.